C'est l'antille, nous on les place là, nous on les fort. Nous fort de France, ni belle les qu'à tomber, c'est belle bagaille pour pays. Bonjour, ça fait. Alors, ça fait, bel bonjour. C'est qui non? Alors, moi c'est Loïc, moi c'est maman la cascade, belle la cascade. Belle la cascade, est-ce que vous pouvez nous détimer les chats? Belle la cascade, c'est un concept. Depuis des jeunes mamans et tout côté Martinique, et il nous a fait belle. Est-ce que parce que belle a vu de plus en plus? Parce que tenir un moment, belle a été moins. On ne dit pas à terre, mais. Actuellement, quand tu as ces jeunes, quand tu as plus ça de nous? Les jeunes n'ont pas plus en laissage, c'est parce que nous avons plus d'opportunités, c'est ça. Nous avons plus d'opportunités de venir amuser quoi aussi, c'est ça aussi. Bah nous, on dit, là, c'est la danse, là. Ouais, c'est ça. Alors là, c'est en pas, c'est la danse, c'est en belle et chaud. C'est en grand belle, ça. C'est grand belle, c'est en rythme à 300. C'est-à-dire que les pas plus posés, les mounes en plus bas, c'est-à-dire que y'a qu'à aller chercher la terre, c'est-à-dire que. Sont spiritualisés, nous qui dit ça qu'on. Il faut dire que mon cadre c'est pieds nus parce que fini en contact et puis sol là. C'est ça, pieds nus parce que et puis nous pouvons venir bisouler nous jala donc non, on profite de nous qui a profité de l'espace en fait. Et c'est tambouillé, hein? On peut présenter nous c'est tambouillé titac. Alors les tambouillés là, ben nous qui dit c'est la nuit en tambouillé qu'a joué ou bien après l'autre. En premier tambour qu'a joué et puis après ça la nuit en l'autre. Ok. Alors nous avons regardé ça, nous avons immersion. Yes. Et puis qui sont-ils qui disent que c'est qui vivent en France, un petit bonjour. Eh bien, mon cas, vous en rouleau bas pour tout le monde, pour tout le monde qui a nous fait ça. Et ben, nous, c'est Belle la Cascade. Si vous les cliquez dans les Facebook, donc les jeunes vidéos, événements, tout ça nous qui font les Martinique à Soubelle. Voilà. Si vous n'avez pas contact avec les autres, il y a un téléphone aussi. Mon papa, il y a un téléphone, numéro de téléphone, mais c'est le 06 96 35 98 66. Voilà, merci Anchaï. Bonne continuation, tchébé. C'est ça, 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 c'est ça,
Avec moi, monsieur Alfred Varas. Alfred Varas, grand musicien, chanteur du groupe Diffé. Il a également joué dans pas mal de groupes aussi. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, donc effectivement, je suis musicien, mais je suis aussi pédagogue, j'enseigne les percussions. Et puis à part ça, je suis aussi musicothérapeute, parce que j'interviens avec le tambour en milieu hospitalier. Voilà, donc sinon, bon, aujourd'hui, ce que j'ai comme groupe, j'ai un groupe de tambour qui s'appelle Tambour Gongo Djiné, en fait, qui est une association d'artistes, avec des gens comme Arce, comme Papa Slam, comme Alice au chant, comme Polo Athanase, Neneto, tout ça, c'est des gens qui chantent dans ce groupe Tambour Gongo Djiné. En percussion, ben, nous avons Marco Serraline, nous avons Mickey Telef, nous avons Edgar Laronné, nous avons Edmé Djaka, Claude Jean-Joseph, Marco Lagier, moi-même. Donc c'est un groupe important, c'est un groupe important dans le nombre, au niveau du nombre, mais aussi important en qualité. Il pèse lourd. J'ai entendu pas mal de noms, mais la plupart ont eu l'occasion de travailler au CERMAC, toi aussi. Oui, j'ai travaillé au CERMAC à l'époque, oui. J'ai travaillé au CERMAC, je suis entré au CERMAC en 77, en janvier 77. Je sais est-ce que c'est une bonne dizaine d'années au CERMAC. Voilà. Les jeunes sont intéressés par le tambour? Ben, l'approche des gens face au tambour? Oui, bon, c'est vrai que c'est une minorité. Une minorité, des enfants sont intéressés, mais vraiment en minorité. Aujourd'hui, les gens sont tellement happés par toutes sortes de musique, de styles qui viennent de l'extérieur. Et c'est tellement médiatisé qu'ils sont conditionnés, quoi. Est-ce qu'on est encore dans le temps où on disait jouer tambour chez Baïvienneg? Il y a quand même une ouverture, quand même. C'est différent, ce langage-là, aujourd'hui. Non, ça a changé. Ça a changé au niveau du langage. Mais c'est vrai que le tambour n'est pas encore vu comme un instrument noble, alors que c'est un instrument noble, d'accord? C'est l'instrument de notre histoire, mais encore plus que ça, c'est un instrument qui est aujourd'hui que nous utilisons, comme je disais à l'instant, si c'est percussion, il intervient en milieu carcéral, il intervient à la prison du COS, et il fait un travail de tambour avec des prisonniers, et il a des résultats. Personnellement, je travaille à l'hôpital du Saint-Esprit avec mon tambour, je fais un travail de musicothérapie, et il y a du résultat. Il y a d'autres percussionnistes comme Claude Jean-Joseph ou j'oublie les noms. Et que nous sommes plusieurs à travailler dans des espaces particuliers où le tambour fait des exploits. Mais je veux dire, on n'en parle pas. On pense toujours que le tambour, bon, c'est un truc dérisoire, quoi. Mais quelque part, je me permets, mais quelque part, quand on dénigre le tambour, c'est que nous dénigrons nous-mêmes. C'est ça la question. Il faut dire que la Martinique, c'est le Belay. Est-ce que tu peux nous parler du Belay pour les téléspectateurs de France qui nous regardent, de France métropolitaine? Alors, oui, on peut parler du Belay. On parle beaucoup, excuse-moi, on parle beaucoup du Goka, parce que le Goka a été reconnu, mais quand est-ce que le Belay sera encore beaucoup plus reconnu à travers le monde? Alors, moi, ce que je peux dire... L'UNESCO, par exemple. Bon, ce que je peux dire au niveau du Belay, c'est que le Belay, c'est une danse, essentiellement. C'est une danse. Donc il y a plusieurs figures, il y a plusieurs rythmes, etc.
Mais belet, c'est danser. Et tambour a accompagné danser. D'accord? Donc, le tambour a un rôle important, c'est vrai. Mais en fait, le tambour est un instrument qui accompagne. Quand je parle de tambour congo-djiné, le groupe que nous avons, c'est des tambours qui parlent. Et c'est des tambours qui expriment notre mémoire profonde, qui expriment notre schéma rythmique martiniquais. Et donc, c'est un autre type de tambour. Hein, c'est un tambour de liberté. Bon, maintenant, le belet. Ce qu'on peut en dire, c'est que c'est une musique, bien sûr, qui nous appartient. Hein, qui nous appartient, parce que, bon, ça vibre en nous. Ça nous appartient, ça vibre en nous. C'est une musique qui a habité surtout la Martinique. Mais bon, il y avait du belet dans le sud, il y avait du belet dans le nord, mais surtout dans le nord, hein, surtout dans le nord, pendant des décennies et des décennies. D'accord ? Bon, je ne peux pas dire que ça a commencé, que le belet en tant que musique s'est établi. Mais ça, bon, il y a très longtemps. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui du belet, c'est que c'est une musique qui nous appartient, c'est une musique qui est exportable, puisque quand elle est jouée, soit au Japon, soit au Canada, soit ailleurs, je veux dire, elle impacte. Hein, elle impacte. Donc c'est une musique qui a sa force, qui a sa valeur, mais c'est surtout une danse. Hein, je veux dire, c'est surtout une danse. Il y a l'adja, quelle différence ? Il y a l'adja, il y a damier, il y a... Oui, mais bon... Oui, l'adja c'est autre chose. Le belet c'est une danse qui se lance avec des hommes et des femmes. Le l'adja c'est une danse c'est une danse de combat qui est pratiquement exclusivement les hommes, d'accord. D'ailleurs c'est pas le même type de tambour, c'est pas non plus le même rythme. Ça c'est autre chose, d'accord. Mais l'adja et le djamier c'est pratiquement la même chose, c'est la même chose. Bon, mais le belet ce qui se passe c'est que le belet aurait dû être soutenu par les politiques. Si on veut que ce soit exporté. Comme tu dis, que ça arrive à l'UNESCO, il nous fallait que les politiques y croient, mettent les moyens qu'il faut, d'accord ? Parce que la matière est là, les individus sont là, donc je veux dire, c'est pas compliqué à faire. Donc il y a un manque de structure, ça t'a coupé la parole ? Même pas de structure, il manque de volonté des politiques. Les politiques, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, je dis quelque chose de simple. Imaginez des groupes de belets qui sont envoyés dans des pays aux États-Unis, en France, en Europe, etc., etc., pour des prestations, mais que cette initiative soit soutenue par les politiques, notamment par l'Office du tourisme de la CTM. Bon, ça aura un impact. Ça aura un impact. Ça va faire, les gens vont s'intéresser à la Martinique. Les gens viendront voir ce qui se passe en Martinique, d'accord ? Mais pour ça, il faut financer, il faut mettre des fonds pour permettre aux groupes d'aller, de sillonner le monde. Et ça, c'est possible. D'accord ? Pour moi, c'est vraiment une carte postale du pays. Hein, quand un groupe de belet arrive dans un pays, les gens voient ce qui se passe, ils entendent les chants, ils voient le tambour, ils voient les danses. Je veux dire, ils sentent que c'est une culture qui est vivante. Les gens, ils y adhèrent. Je veux dire, mais ça ouvre des portes. Mais il faut que les politiques comprennent ça. Voilà. Est-ce qu'on peut donner un petit coup de tambour, là, comme ça ? Juste une petite démonstration. Et puis, voyez un message fort pour les téléspectateurs qui nous regardent. Ok, d'accord. Voilà. Vous comprenez ça là ? Non, je comprends pour Belair. Vous comprenez pour Belair, oui. Nous comprenons pour Belair. Nous allons déplacer comme nous, Titac. Nous allons déplacer comme nous. Ça sent Tambour Belair. Ouais. Tambour Belair est-il moins plus gros ? Tambour Belair est-il moins plus gros que Tambour Belair ? Oui, exactement. Boudin plus gros. Là, monsieur Alfred Varas. Et puis, il a encore joué de Belair. Il faut au pied ni. Pourquoi ? Faut bien. Faut qu'on se regarde bien où ? Ok. Là, moi qui prends un chantier capable de l'histoire pays. Chantier qui a dit comme ça que Béanzin c'était roi d'Ahomé. Nous savons que Béanzin c'est un roi que j'ai mené ici en exil. Et pendant quelque temps, il était ici, et puis c'est Madame Lyon, etc. Il était en exil ici. Donc, nous avons chanté, mon frère, ça, en l'honneur traditionnel. Et Chantier a dit comme ça. Béanzin, c'était Wadaomé. Wadaomé m'a crié, Wadaomé m'a maïla. Béanzin, c'était Wadaomé. Wadaomé m'a crié, Wadaomé, souple. Béanzin, c'était Wadaomé. Wadaomé m'a crié, Wadaomé m'a. Béanzin, c'était Wadaomé. Wadaomé m'a crié, Wadaomé m'a. Béanzin,
Voilà, il faut dire aussi bon, je vais jouer puis en celle là, mais moi là. Eh bien, Alfred, merci en chai et puis à bientôt. Tiens, Béren. Ok, je suis Béren, pas de problème. Si belle licite, maman est là, nous qu'à jouer. C'est pas des hommes, nous qu'à météo. Maman est là, nous songer là, nous y a, nous pas lié. Nous pas lié là, nous sortir.
quelle belle ambiance. Maman, elle a la belle Martinique, elle a la belle Fort-de-France. Voilà, et pourquoi chanter bien hein? Merci. Moi, quand on chante, moi, mais ça. Voilà, il s'est passé en France. Ni notre autres qui a fonctionné, ni notre autres dans les places là. Oui, il y a un moment où ça a fonctionné, mais c'est le président Goupla qui paye nous en bas et qui paye nous plus. Voilà. Alors, nous, quand c'est autres continuer comme ça, bah, nous, tambour, vous voyez, tambour, on est dans les places là. Et puis, on prend du bon temps à la Martinique. Oui, 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 ah ben, oui hein. Il fait bon, il fait chaud. Alors, on vous envoie tout ça, et puis profitez-en. Eh bien, qui fait famille hein? Moi, Delivery. 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 Maman en France qui a créé Delivery, on va dire bonjour. Voilà, exactement. Moi, c'est Ishgo Maurice. Go Maurice. Voilà, Ishgo Maurice. Yo quand même dans l'autre petit son. Yo pas te kay douti bon homme la kidnette là, sous tes papa. Yo pas te kay dou trois couli, pas couli, si papa te couli, si vite kay couli. Ta ou le dieu coquli. Attention pour danser la one time. In des, toi et. Allez, livre la droite. Qu'est-ce que c'est, man?